Je suis tout debout. Tu lèves ta jupe, tu mets un peu ton pantalon, tu le cales bien contre ton minou, bien à l'arrière, presque au niveau de ton anus. Tu bascules ton bassin et t'envoies la sauce. Moi je l'ai utilisé partout avec moi en voyage et j'adore, c'est trop pratique. Génial! Avec pas de goutte à côté, pas de goutte dans la culotte, rien du tout. Alors qu'est-ce que t'en as pensé? Franchement, difficile au début, t'essayes, c'est adopté. Adopté! Alors là, je suis en compagnie d'une jeune fille, t'as quel âge? J'ai 9 ans et demi. 9 ans et demi. Et alors qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, c'était pratique et c'était bien. C'était bien? Tu aimes bien faire pipi? Très bon. Oui. Super. Alors on est en compagnie de deux jeunes filles, vous avez quel âge? 10 ans. 10 ans. Et vous utilisez donc un petit accessoire comme ça pour faire pipi debout? Oui, oui. D'accord. Et qu'est-ce que vous en pensez alors? Moi je trouve que c'est pratique parce que souvent les toilettes sont assez sales et il y a beaucoup de queue. Donc je trouve que c'est pratique d'y aller, d'avoir cet objet pour faire pipi. D'avoir cet objet pour faire pipi, c'est pratique pour toi. Et toi qu'est-ce que tu en penses? Moi aussi je trouve que c'est pratique parce que des fois c'est sale. Oui, et c'est dur de faire pipi des fois. De pas s'asseoir sur la cuvette. Ouais, voilà, parce que. Ouais. Ouais. Et donc du coup là, et bah, tu peux faire pipi debout et t'as pas besoin de t'approcher des saletés. Ouais. D'accord. Bah merci les filles. C'est la liberté. Alors tu t'appelles comment? Gabrielle. Et alors tu as quel âge? J'ai 11 ans. 11 ans. Et alors qu'est-ce que t'as fait? T'as fait pipi? Oui, debout. Avec... Debout? Et alors qu'est-ce que t'as pensé? Bah c'est super, c'est une sensation qui est plutôt sympa, oui. Vous attendez? Au lieu de faire la queue pendant très longtemps pour les toilettes et tout, maintenant on peut aller partout où on veut, comme les garçons dans les festivals et tout. Et puis en plus, c'est moins dangereux si par exemple on est dans la campagne et qu'on a une envie pressante. Et bah au lieu de choper des tiques et des choses comme ça, et bah, on peut faire debout et c'est beaucoup plus pratique. Et puis franchement la sensation, bah, c'est super quoi. C'est merci, très rigolé. Merci Gabrielle. Pour la rando, c'est génial. Ah, vous êtes satisfaite? Voilà. Je valide carrément, j'ai trop hâte de pisser contre une barrière. Ouais. Ça fait combien de temps que tu l'utilises? Une barrière. Et alors ça fait 2 ans. Voilà. Bah top. La preuve, j'y reviens quoi. Bonjour, alors moi je suis Julie. Moi c'est Karine. Alors moi j'ai découvert le Go Girl il y a en 2012, donc regardez l'état, il est usé. Voilà, mais ça dure toujours et ça marche toujours et de mieux en mieux, donc je conseille à tout le monde. Et moi c'est Julie qui me l'a fait découvrir, donc le mien est un petit peu plus récent, mais franchement, allez-y les filles, pissez debout, c'est super. Je suis super contente d'avoir fait pipi debout, c'est un vrai plaisir. Toi aussi t'as aimé? Ouais, c'était parfait. Vraiment super, ça révolutionne la vie ce truc. Génial, je peux pas m'accroupir, j'ai une attelle. Et donc du coup c'est vraiment handicapant, je peux pas m'accroupir pour faire pipi. Comment c'était? Super. T'as utilisé quoi? Un en carton, mais j'ai déjà l'habitude avec celui en silicone, ça fait déjà un an, donc comme celui-là. Mais Mona, tu peux le ressentir? Oh, en silicone. Bon là j'ai oublié le mien dans le fourgon parce que ça fait un an que... En bateau, génial en bateau. En festival, génial. Les fêtes de Bayonne, génial. Enfin voilà, c'est une super expérience et c'est vraiment très très chouette. Une fois qu'on a osé faire pipi debout, tout se passe très très bien. L'urinette c'est génial, c'est la libération des femmes, voilà. C'est très bien, mais c'est super agréable.